tous, bienvenue sur Seven Day to Die. Alors, j'avais fait un épisode 1 il y a un petit bout de temps pour montrer à un ami le jeu. J'ai complètement oublié d'enregistrer la vidéo et de la mettre sur mon YouTube ou autre comme ça. Et Twitch l'a effacé parce que ça fait très longtemps. Tant pis, j'avais rien fait de spécial, j'avais juste montré à peu près la forme du jeu, les façons d'être, ainsi de suite, de découverte, un truc. Ce n'est pas grave. On va dire, ça va être celui-là, le vrai épisode 1, parce qu'il faudra que je farme, il faudrait que j'avance un peu dans la maison. Donc au moins, on part sur un épisode comme si c'était le 1. Alors, je joue à ce jeu-là, parce qu'ils vont sortir un autre bientôt, de celui-là. Et en attendant, je vais rejouer à lui pour juste le plaisir de rejouer un peu à lui avant qu'il le change vraiment, que je garde cette habitude, bah, ce plaisir de ce celui-là-là. C'est qu'il y aura le nouveau avec toute la nouvelle façon de jouer, on perdra celui-là. Il faudra pas qu'oublie que celui-là, il est quand même vachement pas facile non plus, quoi. Comme on n'avait pas les sauvegardes comme sur PC. Alors, je sais pas du tout ce que j'ai fait. Là, il y a des médicaments. Ok. Je sais même pas où je suis. Ah si, j'avais été à la maison là. Mais il n'y a pas une façon pour faire plus clair. J'avais quelques bouffes. C'était pas la folie folie. Y a quoi devant moi là? C'est quoi ça? Ah, un coffre, ok. J'ai même pas vu qu'il y avait un coffre là. C'est quoi ça? Attends, je suis perdu là. Pourquoi il y a une tenue sur moi? Et j'ai quoi sur moi? Ah, attendez, hein, c'est tant que je reprends le concept du jeu, bah, que je retrouve la façon de jouer, ainsi de suite. Pourquoi lui je peux pas le. Il n'y a pas un bouton pour mettre tout de suite sur soi? Attendez, je regarde juste. Si, ok. Comme ça. Faudrait que je traîne une lumière parce que je vois rien. Donc, bah, je vais m'imposer dans cette baraque. C'était pour ça que j'étais venu peut-être ici. Putain, je vois rien! C'est impressionnant. J'avais mis un coffre là. Putain, c'est triangle, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Il y avait des sous et ça. Ok. Il n'y avait rien d'autre? Je vois rien, je vous jure. C'est la découverte. Il faut vraiment que je fasse de la lumière. Bon. En même temps, il fait nuit, je crois. Ouais, c'est ça. Ah oui, donc il faut pas que je fasse trop le con, moi. Donc le but là, que je refasse un petit peu. Alors c'est quoi les boutons? Pourquoi là ça me met obligatoirement ça? C'est nul. Je suis ici, ok. J'avais fait un sac de couchage. Je vois rien, je n'ose même pas faire quelque chose parce que je sais même pas où je suis. Déjà j'ai de la bouffe. Que j'ai du maïs. Mort subite, trophée obtenu. Bah, c'est bien, je fais rien, mais je gagne des trophées, moi. Inventaire, c'est carré, ok. Bon, c'est pour voir les trucs. Ok, c'est bon, faut juste que je me rappelle de tout ça. Là, il n'y a rien. Faudrait que je fasse un couteau. Ça, je me rappelle. Là, ça va être ma maison, parce qu'en fait, c'est ma stratégie. Parce que je ferme ma maison là, je ferme ma cage sûrement en face, je vais garder tout le champ pour mes bouffes. Et à ma gauche, il y a une ville. Donc pour farmer, en étant à côté d'une ville, c'est très très bien. Donc je dis pas non pour ça. Alors, il y avait quoi à gauche? Collecter de la fibre végétaux. Ils veulent que je fasse des habits, mais derrière j'ai déjà fait des habits parce que. Ouais, bon, on va écouter le jeu. Hein. Normalement, les boîtes aux lettres, il y a des trucs dedans aussi. Ouh, j'ai tué du zombie ici. Non? J'avais cru. Et tous les 7 nuits, pour les gens qui connaissent pas, il y a une nuit rouge, ça s'appelle.
Et bah faut se cacher parce que ou faire des pièges ou se battre parce qu'il y aura une grosse arrivée de Zomblard. Voilà. Qu'est-ce que veut dire cette nuit? Là, je ferai une grande baraque quand même. C'est un jeu que j'aimais beaucoup, hein. J'ai beaucoup beaucoup aimé Seven Day. Hein. Pour moi, ça a été un de mes jeux. C'est pour ça là, de savoir qu'ils vont le refaire, mais moi, je suis comme un gamin là. C'était comme une des meilleures annonces que j'ai entendues, quoi. C'est un jeu, je peux y jouer des heures et des heures à ce jeu-là. Bon, en prendre un peu d'herbe, hein, comme ça au moins j'en aurai. Je serais quand même plein sur ça. Mais les nuits, elles durent combien de temps là? Ah mais c'est qu'une heure du matin, ok. Je suis trop con moi. C'est vrai. En plus j'ai un peu bougé hein. C'est-à-dire en fait la nuit dure moins longtemps. Hein. J'ai même pas de quoi faire une torche. Quoi qu'il faut ça? Je sais même pas si j'en ai fait une. Je sais pas du tout. Je vais quand même en fabriquer un. Mais normalement oui, je suis pas assez con pour pas l'avoir fait. Donc. Toute la tenue. Hein. Qu'est-ce que ça change, la capuche ou le chapeau? Je sais même pas. Alors déjà le pantalon. Ah ouais, c'est le pantalon, t'es un short quoi. T'as pas le droit à avoir. Ah, c'est capuche ou chapeau? Attends, on va peut-être mettre des vrais habits quand même, non? On s'en fout des trucs en tissu là. Comment on jette? Y a pas un bouton pour jeter? Voilà, ça disparaît tout là. Je vais me perdre encore dans les boutons, moi. C'est dingue qu'on voit rien. Vivement que j'ai le chapeau là. Je sais même pas où je suis là. C'est quoi là-haut? Une bouteille en verre, ok. Mais normalement, j'avais fait des coffres, je crois. Putain, et quand il fait nuit, on voit, mais vraiment, mais de rien, de chez rien. Pour l'instant, j'avais foutu n'importe quoi dans n'importe quoi. Ça, c'était au moins bien. Je sais plus, je crois qu'il me faut ça. Alors, attends. Carré.
Othir, c'est où? La merde. Merde, putain, je me suis trompé de bouton. Qu'est-ce qui me manque? Ah, herbe. Alors les débuts, c'est... Faut trouver le bouton. Pourquoi je peux pas? Ah, il faut 5 cailloux. Le jour s'est levé. On est déjà jour 3. Putain, je suis pas... C'est pas gâté, hein. Hop. C'est vrai qu'on peut... Après, on peut mettre en favori des trucs. Voilà, comme ça, celui-là. Il n'y a pas un truc pour détruire? Non? Il n'y a vraiment pas un truc? Ouais, je sais pas. Je sais plus comment on fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il veut que je fasse là? Fabriquer une massue, mais je l'ai déjà fait. Vas-y, il me fait faire des missions de merde là. Bah, je vais l'acheter, hein. Et j'ai mieux, je vois pourquoi je m'emmerde à fabriquer ça. Putain, j'ai fait casser mes lunettes, j'avais pas vu qu'il y avait mes lunettes sur mon côté. À Dark, c'est tous des trucs que j'ai déjà fait quoi. Ah si, c'est comme ça, il recyclait. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon, c'est bon. Toi déjà, je t'ai jamais demandé de tout mettre là. Chercher des plumes. On va chercher des plumes. Ah si, c'est bon, j'ai de quoi becquer là. Je sais même plus comment on mange. Comment on mange? Ah, ok. Ah oui, quand c'est l'après-midi, il faut que j'en pose des bouts quoi. Ok, j'ai compris. L'autre il est en train de clapser quoi. Voilà. Il était à 110 quoi de température, le bordel quoi. Ça monte un jour la vie ou jamais? La nourriture. Non mais je veux pas guérir là, je veux juste me nourrir en fait. On va regarder un truc dans la maison quand même.
Voilà. Mais je vois même pas combien de coffres j'ai. J'avais pas des trucs tout à l'heure? Ah si, bah tiens, regarde. Pas besoin de plus. On va poser ça pour l'instant. Pas me promener avec. On va prendre juste une comme ça. Ah bah attends, mais j'ai des flèches là. Hop. Collecteur des petites pierres. Est-ce que j'ai un lit alors? Je sais même plus comment je monte. T'en vois rien dans cette baraque, mais vivement que je mets de la lumière, vivement que je mets des trucs que je vois clair là-dedans, là, parce que c'est horrible. Mais j'ai pas l'air d'avoir mis un sac de couchage, hein. Ah oui, même pas du tout, même. Donc, c'est très bien ce que j'ai fait. J'étais pas sûr, bah regarde. On va le mettre là. Comme ça, j'ai mon sac de couchage. C'est dommage, je peux pas dormir dans le lit. Ils veulent que je ramasse des petits cailloux. C'est quoi ici? Ah, rien. Ok. Je suis malade de laisser la porte ouverte, moi. Ah ouais, là, les zombies peuvent rentrer, quoi. Alors, faut que je trouve un petit caillou. Bon, on va bien en trouver un hein, quand même. Voilà. Fabriquer des flèches. Voilà, mission terminée, on va tout faire pour l'émission. Je sais même plus comment on met. Voilà. Commencer à construire une base. Collecter du bois. Fabriquer une structure en bois. Ok. Bon, on va faire ça, hein. On va faire les trucs simples. Attends, déjà, il y a des nids là. Ça va être intéressant, voilà, toi, des nœuds. Des nœuds et des flèches. Putain, mais il y en a des nids là. Quatre nids au même endroit, quoi. Oula, mais il y a un bordel là-dedans. Je vois rien, mais rien de chez rien. C'est le gros problème du jeu, et le pire, c'est que je crois que j'avais changé la luminosité, hein, donc c'est-à-dire, normalement, je devrais avoir clair. Hein. Donc c'est pour ça que je ne comprends vraiment pas du tout le délire de rien voir du tout. Peut-être que ça faudra tout je pète. Mais tout de chez tout, parce que c'est ici que je vais faire ma cage. Ça va, ça rigole pas, 31. En plus, j'ai déjà une barre. Ah.
De sandwich pourri. C'est pourri, c'est qu'à le dire, mais ça peut aider. Qu'est-ce que je fais? Ah bah attends, je vais faire là alors. Ma maison elle va s'arrêter là, attends. Ça pourrait être rigolo de faire comme ça. C'est quoi, c'est ça hein? Déjà, eux, je vais les mettre en... Comment on les met en favori déjà? Flèche de droite, ok, comme ça. On va mettre des trucs comme d'hab en... Voilà. Je sais pas, il faut que j'en fasse combien? 3. On va faire 5, c'est bien. Normalement, je devrais tout le temps en faire plein de ça. Parce que comme ça... Dès qu'il y a un problème, je peux toujours... Putain, j'ai cru voir un zombie. Je sais pas où je vais. Je suis en train de réfléchir. Waouh, le poteau va m'emmerder en fait. Donc vaut mieux peut-être que je prenne. Ouais, alors attends. Comment on y enlève comme ça? Merde. Je vais l'enlever la boîte aux lettres, elle ne sert à rien. Je sais pas si je peux l'enlever là. Ouais, mais ça va avoir pour 23 jours là. Je suis con là, mais ça va me prendre 3 plombes. On va essayer, mais. Tout le monde va me dire, mais pourquoi tu fais ça? Mais, en fait, parce que je suis maniaque dans mes décos. Moi. Ah! Je suis dégoûté sur le coup. C'est ça ou je pète ça, putain. On va péter ça. Voilà. Donc lui. On va mettre là. Hop. Non, toi. Si. Bah si, je vais laisser comme ça, je suis trop con. Ah mais celui de cas, faut que je le pète quand même, en fait. Parce que je pourrais pas le mettre. Ouais bah ça attendra, hein. On va pas le péter tout de suite parce qu'on parle quand même d'un truc en béton là.
Ça sera déjà pas mal. Hein. Oh, parce que je ferai une tranchée là. Ouais, c'est déjà pas mal. Là, tu casses un truc, le truc en bois est déjà pété. Bref, on va laisser comme ça. Comment on fait déjà? Je crois que c'est comme ça, si je me trompe pas. Ça. Voilà. C'est bon, j'ai fini la mission. C'est juste au moins pour valider la mission. Et on verra plus tard ça. Construire un feu de camp. Ça fait quand même plaisir de jouer à ce jeu. Hein. Putain, je sais même plus où il est le feu de camp. Là. Qu'est-ce qu'il me faut pour ce feu de camp? Du caillou? On va faire du caillou. Moi, je pense que dans pas longtemps, je dois refaire une pioche. Voilà. Pareil, ne jamais réparer les outils quand vous faites des outils. Toujours refaire l'outil comme ça il monte de niveau, parce que si vous le réparez il perd de niveau. Regarde là, mon niveau il est niveau 6 et lui il est monté niveau 8. Donc comme ça, celui-là je le prends recyclé, toi je te prends, je vais une touche exprès, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et je me dis, faudrait que je casse tous les cailloux. Il faudrait que je remette tout mon terrain propre. C'est pour finir. Hein. Voilà, ça fait du caillou, je casserai celui-là plus tard. Feu de camp, on va le faire dedans. Un petit feu de camp. Donc, vraiment, j'avais perdu ma première vidéo, mais au moins là... Tous les deux cas, c'est vraiment si comme je recommence à zéro quoi. Si j'avais vraiment rien fait quoi. Là il va nous demander de cuire des trucs, tu as monté de quoi que tu es capable. Ta carte indique désormais les emplacements des avant-postes de la rivière blanche et du plus proche. Tu trouveras un marchand à qui acheter ou vendre des marchandises et partage des histoires. Ok. Ok. Voyager vers le... à me trouver le trader. Mais le trader, je l'ai déjà trouvé normalement. C'est dommage qu'il me lit pas les... comment on change déjà? Comme ça, comme ça. Je l'avais pas trouvé le trader. Comment on dézoome? Comme ça. Attends, moi je suis là. Le trader... Ah, c'est peut-être pas ici. Ah oui, c'est peut-être pas ici. C'est peut-être que je suis mort l'autre avant. Pourquoi j'ai un bout là? C'est juste un bout là. Faut croire que j'ai fait 200 mètres quoi. Ah, j'ai apparu là déjà. La première fois j'ai apparu là. J'ai été là, j'ai failli mourir. Ou je suis mort peut-être. J'ai été jusqu'à là, je suis mort. Faut penser. Et j'ai réapparu là-haut. En fait j'ai réapparu deux fois au même endroit quoi. Y'a pas un autre endroit? Le trader ici, c'est vrai que je sais pas du tout où il est. Ah oui, c'est en bas. C'est grand quand même. Hein. Non, donc j'ai pas apparu là. Je regarde quand même parce que... Je
pense avoir trouvé le trader, moi. Non. Ok. Bon, on va remettre quand même au moins. Voilà là. Tac. Bon, bah ça restera une petite mission à faire plus tard. Maintenant, je peux commencer à jouer normalement. Donc, il va falloir que je trouve des ressources, de la nourriture et tout ce qui va avec. Et de quoi faire des outils, des armes et ainsi de suite. Donc, on va commencer à les fouiller. Ma maison, bah, je pense que vous avez compris que je vais se faire automatiquement ici. Regarde ce que j'aurais envie de remettre un pont-levis. J'avais bien aimé mon système de pont-levis. Je reculerais peut-être la porte pour remettre le pont-levis. J'avais kiffé cette idée. Je vais enlever ça pour l'instant. Que je réfléchisse un peu comment je vais faire. Voilà, on va laisser comme ça. Normalement. Ah, je peux pas l'enlever là. Ah oui, c'est vrai, quand tu l'as déjà construit la première fois, tu peux pas le enlever. Ok. Mais là, on va le mettre comme ça pour l'instant. Voilà. Ok. C'était quoi ça? Ah, faut pas que je commence à venir parano, moi. Ah, putain, l'autre, il a déjà faim. Je crois. Bah non, mais c'est quoi alors? Ah, il a peut-être soif. Même j'ai que ça en boisson. C'est déjà bien. Allez, on va les visiter un petit peu. J'ai de quoi tirer, de quoi taper. On va dire, on n'est pas trop. On n'est pas trop à se plaindre. Pareil, je ferai un avant-poste, une grotte pour les premiers. Alors, ça va être la grotte la première nuit. Et après, ça deviendra un passage pour sortir. Parce que je vais faire ma grotte pour farmer. Et pour sortir de la cage, parce que quand je veux faire ma cage, je ne pourrai pas rentrer dans ma cage. Et la seule façon que je peux rentrer par ma cage, c'est par le sous-sol. Exprès pour éviter que les zombies viennent péter la porte de la cage. Si tu leur mets une porte, bah ils cassent la porte. Logique. Si tu ne leur mets pas de porte, bah ils savent pas où aller. Attends, j'en veux pour me tromper des boutons. Ça va m'en falloir, parce que je vais en faire des flèches, moi. Attends, je vais récupérer un petit peu de bois. Je vais peut-être pas le casser complet, lui. Juste récupérer un petit peu de bois, comme ça c'est fait. Voilà. Attends, j'ai pas vu un truc là? Ah, ok, je crois que j'avais. Hop, on prend un petit peu de cailloux, comme ça je peux quand même faire. Bon, allez, on va aller en ville. Alors en ville, il y a des chiens, il y a des zombies, il y a tout. Donc il y a moyen que ce soit une partie un peu sympa. Juste prendre du caillou pour refaire des. La hache. Putain, dans mon autre partie, j'ai tout. J'ai le pistolet à plomb, j'ai tout. Et là, je repars de zéro. Après, en plus, je repars de zéro pour pas longtemps. C'est normalement le prochain, sort bientôt. Faut pas que je tombe sur un petit toutou. Parce que là, je n'aurais pas pour le défoncer. J'ai déjà fouillé la bagnole, ok. Les voitures, je m'amuse pas à les abîmer. Ne surtout pas abîmer les bagnoles. Parce qu'il faudra le faire avec la clé à molette. Comme ça, on récupère vraiment du matériel de fou. Putain, je suis déjà presque plein, moi. J'aurais peut-être dû me vider, en fait. Ah, ça c'est intéressant. On regardera après où il est tombé.
C'est la graisse, je crois, qu'il me faut pour faire des torches, hein, si ma mémoire est bonne. J'ai même pas de couteau. Il n'y a rien en fait. Ça commence bien, tiens. T'as cru celle de bain? Putain, mais c'est fou qu'il n'y a rien! Putain, la salle de bain est plus grande qu'une pièce. Une pièce de la maison, quoi. T'as une main qui prend du niveau parce que là, ils se cassent vraiment vite les marteaux. J'ai déjà une toile pour mettre dans le feu. Boîte de conserve. Dépôt vide. On verra après. J'ai tout fait ici. Y'a pas d'étage ou c'est moi qui. Non? Non, y'a pas d'étage, ok. Je regarde quand même, on dirait que je vois rien. Hein. Attends, j'ai quand même y regarder là. Pour faire une torche, c'est quoi déjà? C'est bien du de la graisse Ah c'est ça? Graisse animale? Ah merde. Attends, je vais la mettre en favori comme ça au moins j'en ai une. Parce que j'y vois rien, c'est fou. Bah faudrait que je trouve le casque autrement. Il y a du zombie là. Pourquoi il y en a autant là? Il y a une horde? Je sais pas ce que j'ai fait. Moins de tir à l'arc, ça va m'apprendre à tirer correctement. C'est plus vous utilisez un objet, plus vous faites un truc, plus ça prend des niveaux aussi. Si vous creusez pendant des heures et des heures, bah vous allez prendre à mieux creuser après. Ce qui est bien, c'est que tout est utile dans le jeu. Surtout quand tu tires comme un guignol comme moi, là. J'ai plein de tête, elle. Faut mourir les zombies là. Ah merde. Putain, tu vas me dire que j'ai tiré autant de ça? Oh ouais, il me fait peur là. Ah, il m'a bloqué. C'est quoi qui m'a bloqué? J'ai loupé. Mais elle avait une droite du turflu parce qu'elle m'en a posé une, elle m'a calmé 2 secondes quoi. Putain, les zombies qui a rien dessus, j'adore ça moi. Je sais même plus comment on gagne. Attends, c'est pas ça. On gagne pas du tout dans ça. Ah, c'était au couteau, je crois. Si, j'ai gagné une graisse.
Je dois faire une torche. Ouais, j'ai une torche, ouais. Laisser quoi? Ah ok, j'avais pas compris le mot. Pour l'instant, je vais jeter ça. 5, j'ai ça sur moi. Ça, pareil pour l'instant, j'en ai pas besoin sur moi. Ça, c'est quoi? Trou. Au moins, je vais pouvoir faire à boire aussi. Je vais pouvoir cuire un peu d'eau. Attends, mais tu vas me dire que j'ai déjà plus de flèches, moi? Qu'est-ce que j'ai foutu? C'est moi ou j'entends quelque chose qu'il faut pas? Ah oui, ok. Ils sont là. C'est dur, hein, des fois, hein. Ça tire pas droit. Hein. C'est dur de mettre au millimètre près, surtout quand le zombie fait de la merde. Ah, mais ils sont bloqués dans la barrière, ok. J'ai pas compris. Mais putain, mais ils viennent jamais sur moi, en fait. Vous avez vu, d'utiliser l'arc, j'ai gagné une compétence. Là, j'ai tiré dessus. Hein. Là, j'ai retiré dessus, mais bref, le jeu. Là, encore une fois. Sous de ma gueule, le jeu, là. Putain, mais il est pas mort, j'ai cru, là. De la merde. Mais c'est dingue des fois. Hein. Donc il y a bien une gâchette pour tout prendre. Il y a bien un joystick, je veux dire. Il y a bien un bouton. Je savais pas que c'était lequel et je viens de le trouver. Je me rappelais bien qu'on pouvait tout vider dans son inventaire. J'ai tout fermé la clé là-dedans. Ça, c'est solide une porte. C'est bien que je vais avoir la masse à deux mains là. Ça, c'est bien ça. Celui-là pour l'instant. Remonter un peu. Ça, je peux me permettre d'en bouffer parce que j'en ai énormément plein chez moi.
Toi, faut que je fasse de l'eau aussi, parce qu'après j'aurai bientôt en panne d'eau, moi. Ah, 72 quand même le t-shirt. On va lui mettre un truc qui pue, c'est ça. Voilà. Ah, il est magnifique. Ah, c'est pareil, ça pas la peine. Donc, recycler. Normalement, je crois que ça donne un peu de. Je sais pas ce que ça m'a donné. Voilà. Les échelles, c'est le pire truc du jeu. C'est comment se casser des jambes au fait des échelles, c'est bien aussi ça. Oh, j'ai gagné une botte à clous. Casser. Pourquoi je peux pas refaire de masseau? Pourquoi? Il me manque quoi? Ah, j'ai plus de pierre. Ok, oh merde, ça c'est plus con. Pourquoi demander? Quoi demander mieux? Vraiment. On va le mettre ici pour l'instant. Attendez, on va pas faire comme ça. Hop, on va mettre le flingue comme d'hab ici. Et le marteau là. Est-ce que je peux le réparer? Mais non, je peux pas. Putain, fais chier. Au moins, j'ai un flingue. Au cas où. Je dis bien. On va utiliser le moins possible. On utilisera vraiment pour les choses importantes. Un zombie pas loin. J'ai fouillé là. Oui. J'ai été là-bas, donc j'ai pas besoin de retourner là-bas. Ah mais je peux même pas. Faut que j'aille chercher un caillou. C'est même dingue de chercher des cailloux là, attends. Il y a des cailloux qui traînent. Ça, c'est les flèches. J'ai oublié que ça prend du caillou. Il y a des œufs. What? Le meilleur truc! Je m'en doutais. Je m'en doutais. Les chiens, le pire truc à pas trouver au début du jeu. Qu'est-ce qui m'arrive? Je tombe sur un chien. J'avais le flingue, hein, mais je sais pas. Mon cerveau a pas dit prends le flingue.
Après, ça me fait pas chier de bourrir, parce que je suis pas très loin. Maintenant, c'est est-ce que les animaux sont partis? Pour pouvoir aller chercher mon corps, parce qu'il y a quand même mes affaires dessus. Un peu loin, comme ça dès que je le vois loin, je prends le flingue, je tire. Faut bien qu'il me serve à quelque chose le flingue. C'est des chiens, c'est la pire saloperie. Hein. Quand même dire le comble, hein, l'éducateur canin, dire que les chiens c'est la pire saloperie. T'as est là, hein. Mais je vais jamais pouvoir récupérer mes affaires. Mais jamais. Je sais pas comment je vais faire. Ah mais c'est pas drôle là sur le coup là. Ah le v'là, je l'avais pas vu. Alors attends. Ok tiens. Voilà, au moins mon sac a été re-sauvegardé. Au moins. Je pense que ça va être chiant là, vraiment. Ça va être le plus chiant là parce que le chien va pas vouloir bouger. Et je vais me retrouver avec le chien qui va m'emmerder tout le temps là. Et j'ai pas d'armes, j'ai rien, comme c'est le début. Donc ça va être sympa 2 secondes en fait là. Non, j'ai rien du tout, je peux même pas. Là, ça me fait chier, là, sur le coup. Parce que là, le chien pour m'emmerder va rester là. Sûr et certain. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire une batte? On va essayer de faire une batte. J'ai pas trop le choix. Dix bouts de bois. Putain, j'ai rien pour prendre du bois quoi. Que mes petits poings. Ça ne donne même pas de bois en plus. Tenter, hein. En ce moment, il faudrait que je fasse la technique, c'est d'emmener le chien plus loin. Mais c'est moi, je le vois même pas le chien là. Ce sac de merde. Yeah.
Putain, mais elle est pas morte. Ah bah là, elle est morte. Et bah... Déjà, j'ai pu faire ce que je pouvais. Qu'est-ce que je peux détruire? Recycler. Putain, il saute de ma gueule le jeu en fait. En fait, c'est ça le gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, ils remettent les cordes, nos habits dessus. Et là, ils le font pas dans le jeu. Donc c'est pour ça en fait que j'ai pas de place. Je trouve même plus mes affaires. Il manque des trucs là. Voilà. On va mettre toi là l'intendant, même si tu ne sers à rien là. Toc. Torche, ça. Bouffe. Et bandage. Voilà. On a quand même récupéré nos affaires. C'est déjà pas mal. Sauf le truc, c'est faudrait que je refasse. Fabriquer, voilà. Comme ça, toi, recycler. Voilà. Il est où, Clébor? Ça, c'est déjà 20h dans le jeu. On va retourner à la base et se vider. Il est où, le chien? Ouais, en fait, il est où, le chien? Attends, j'ai tué deux mecs, là, ils sont où? Il est où le deuxième? Là. Pff, rien du tout. Mais ouais, je sais pas où il est, Clébard. Tout à l'heure, juste pour m'emmerder, il est resté là. Et là, il s'est barré. J'ai 15 balles plus 3 balles. Ah, je fais pareil, ne jamais casser les nids. Hein. Autrement, ça repoussera jamais dedans, quoi. Ouais, ça réapparaîtra jamais dedans, les affaires. Parce que les nids réapparaissent pas. On va aller à la base, on va se vider et derrière je vais mettre mes points aussi parce que normalement j'ai dû gagner des points. Au moins j'ai récupéré mon corps. Ça, c'est la chose la mieux qui aurait pu m'arriver. Tac. Alors. Oh, mais en fait j'en ai du coffre là. Là y a rien. On va mettre les affaires pour l'instant. Là-bas, c'est quoi ça? Ah, mais il y a un sac là. On va mettre ça pour l'instant dedans, ça pour l'instant dedans. Ça avec. Voilà. Voilà. On va mettre les trucs qui servent à rien. Comme les trucs d'armes. Comme ça, c'est pas perdu. Toc toc toc. On va mettre les flèches, bah les plumes, comme ça c'est tout ce qui est munitions, armes. Voilà, les sous-sous, dans le coffre à sous-sous,
Et le reste, on va le mettre là pour l'instant. Oh, j'aurais pu le mettre là-bas, ça, ouais. Ça aussi. Déjà, au moins. Ça va ranger. La bouffe dégueulasse, on va mettre ça pour l'instant. Ah merde, j'ai oublié. Les petites bouteilles d'eau là. Ça, je vais ranger l'intendant aussi ici. Faudrait que je trouve un endroit pour mettre les graines. Tiens, alors, très bien. Le feu. Ah bah j'en avais déjà. Bon, c'est pas perdu. Je vais faire de l'eau. Ah attends, j'ai pas l'habitude. Je sais pas si je peux changer le bouton. Comment on fait pour diviser? Je suis en train de regarder un truc. Je vais mettre ça pour l'instant là. Voilà. Ça, je me fais un petit peu de boisson là. On va faire ça et en même temps, je vais aller mettre mes points là. Je pourrais même me cuire du maïs. Hein. C'est quoi que je mange? Je bois du maïs cru? Ah, je peux même me faire du maïs. Mais qu'est-ce qu'il faut pour le maïs? Ah, il faut de l'eau. Ok, bah pas maintenant, ça j'ai pas beaucoup d'eau. Attends, des myrtilles, je peux les mettre là? Alors, mes points. Ça, je sais plus du tout comment ça marche. J'en ai des points. Points disponibles, 20. Alors, attends, faut que je me rappelle comment ça marche. Je peux mettre 10 points dans le survivant, 10 points dans le chameau. Fabriquer rapidement. 1, 10 points. Attends, parce qu'il y a des trucs qui étaient vraiment intéressants dans le jeu, je me rappelle. Et pas des trucs, fallait payer, c'était bien. Il y a un truc, fallait prendre, je sais plus c'est quoi. Je vois, on se va voir et on dit putain, oui, il faut l'acheter. C'est quoi déjà ça?
Ok, c'est ça. On fout un peu. Ok. Il y avait un truc qui était intéressant, je me rappelle. Bah déjà, il y a le mélange à béton, ça, ça, mais là pour l'instant, je peux pas. Je me rappelle de ça. Bah déjà, on va mettre un point là. Comment on fait déjà? C'est quoi, je vais miner, ça va faire du bien. Et je vais mettre un point dans ça. Voilà. J'ai plus de poids. Comme ça, je tape un petit peu plus fort. Que je vais utiliser ma matraque. Et l'autre, c'est pour miner. Et combien ça... Attends. Ah ouais, mais je crois que c'est en métal. Faut que j'achète le coffre aussi. Une pioche, je crois que c'est en métal. Hein. Bah en fer, je veux dire. Je pense pas que c'est maintenant. Ou faut peut-être le BP, je sais plus. Je sais plus du tout. C'est quoi ça déjà? Nourriture, outil et piège. Voilà. Une perle. Une pioche. Ah voilà, c'est ça. C'est quoi, j'aurai le fer. Ouais, voilà, il me faut du fer forgé et tout pour faire une pelle. Bah déjà, le truc que je peux essayer de regarder, c'est de faire un... Qu'est-ce que je fais? C'est de faire un... Ah, mais faut peut-être que je la prenne, non? Je peux peut-être pas le faire aussi encore une fois. Si, il est là. Une forge. Qu'est-ce qu'il me faut pour la forge? Il me faut des morceaux d'argile. Putain, j'ai pas gagné. Des petites pierres. Bon, ça encore, c'est pas très la mort. Un soufflet. Et un petit tuyau en fer. Petit tuyau en fer, j'ai. Un soufflet, on va rigoler, je pense. C'est où déjà ça? Mais c'est chiant, des trucs, je les vois même pas. Je sais même plus où ça se fait. Ici? Oui, ici. Soufflet. Il faut de la peau de bête, des tuyaux et du bois. Putain, je vais pas l'avoir maintenant. Mais des fois, tu peux le trouver dans une maison et le démonter. C'est ça aussi. Une pelle. Et je lui pèlerai le jonc. Alors, pierre. Oh, je vois rien. Ça va m'en falloir, hein. Et comment on fait prendre la moitié? Ah voilà, carré. Parce que c'est pareil. Plus tard, je dis bien plus tard, pas tout de suite, tout de suite là. Je vais faire ici, je vais faire un trou et je partirai de là pour voilà, il y a un coffre derrière. Je partirai de là pour rejoindre la. Attends, ça je vais y prendre. Pour je vois un trou dans n'importe où, hein, je m'en fous mais. Toi, style au milieu là, toc. Parce que mes coffres vont être ici. Tout rangé là. Ils vont être sur ce mur là, 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 ils vont être partout. Après, je peux même enlever la pièce. Hein. Franchement.
Ah, je gagne du verre. Plutôt bien. Pour ça, le début c'est long, mais faut farmer et tout pour essayer de trouver les objets à la place de s'emmerder à les fabriquer. J'ai acheté avec la molette. Bon, après, j'en avais trouvé une au tout début du jeu, mais je suis mort, je l'ai perdu. Voilà. Et là, il y a un gros coffre. Donc, lui, pour le casser, c'est pas en 2 secondes, hein. Je pense que je casserai peut-être là. Pour les foutre là, les coffres. Ça, faut y casser pour éviter de faire du bruit quand on marche. C'est vrai que je dis jamais ça, mais faut bien pour ça y faire. Ça fout pas un bordel phénoménal quand on marche. Voilà. C'est quoi que je voulais ranger? Ah oui, les conneries. Alors attends, ça. Avec ça, ça c'est quoi ça? Des graines de merci. Pour moi, je pourrais faire un jardin. Pas non, hein. Ça me fait de l'eau pour. T'as visiblement le prochain sort, hein, vraiment. Hein. J'attends avec patience. Ça va être trop classe. Je vais pas faire ça. J'ai à faire un truc, c'est déjà voilà. Les outils avant. Alors ça c'est un truc à casser. Du coup. Du caillou. Là, je vais en passer de ça. Hein. Ah oui, on peut être humide, tout, c'est vrai, putain, j'avais pas pensé à ça. Je m'en rappelais pas de ça. Dès que le jour se lève, je vais aller chercher le coffre jaune, comme ça c'est fait. Pareil, là, merde, c'est pas ça. T'es pas là les habits? Ah non, c'est là. Quand on est mouillé comme ça, ouais, faut prendre. Ça c'est vrai. Ça c'est mal foutu ça. Hop, voilà. Comme ça il est plus humide. Je vais pas mettre. Ouais. Voilà.
Après, il est où? Ah, il est après la ville. Ou dans la ville, mais à droite, là. Il est là, le coffre. J'ai de l'eau derrière chez moi, à gauche. Pas vraiment derrière chez moi, mais à gauche. C'est ça que j'ai commencé là. Parce que j'aurais pas été jusqu'à là. Il dit, ah bah non, je fais demi-tour. En fait, j'ai apparu vraiment pas loin la première fois. Je me suis laissé tuer, mais j'aurais pu remonter jusqu'à là, moi. Je savais même pas que j'étais à côté. C'est vrai que c'est dur au début à savoir où on est. Il n'y a que les villages tout qu'on se rappelle, mais comme ça c'est dur. Parce que là j'ai apparu pas loin du village, je dis ah bah si je suis au village c'est qu'il y a un truc ici quoi. Parce que je connais très bien cette maison. Ah ouais, ça se casse comme ça là, c'est pas un caillou, je suis con. Faire gaffe qu'il n'y a pas une horde. Un petit peu. On va le faire ici. Là, c'est bien. Là. La toute première fois que je suis mort dans le jeu, par un écrasement de tout, c'était ici. Effectivement, ici, en fait, on faisait un trou avec des potes. Et en fait, j'ai pris la terre sur la gueule. C'est la première fois que je suis mort d'écrasement dans le jeu. Il est con le jeu. Je vois rien sur le coup. Voilà, je fais le trou là, comme ça. Je sais que ça sera ici. On va mettre ça à la place de ça en attendant. Voilà. Attends, je vais prendre ça. Hop, comme ça, je vais garder un. Voilà. Eh ben, on va aller tout de suite maintenant. Avant qu'il y ait la nouvelle journée qui me jette le colis. Comme ça, j'ai déjà le colis. Je prends le flingue dans les mains là. Parce que si le chien il est pas loin,
que je suis capable de dérouiller ce chien. Je me fais pas dérouiller deux fois. Je l'ai eu? Je sais même pas si je l'ai eu. Il fait rien? Bon, ça me va, hein. Normalement, quand tu tires, ouais, c'est ce que j'allais dire. T'attires tous les zombies. Je dis bien normalement. Putain, encore un chien. Ah non! Ah non! Non! Je vais mourir! Putain, il va me casser les couilles! Mais non! Je suis dégoûté! Je l'ai jamais arrivé dans le dos. Ils sont trop forts, les chiens! Ils tapent vraiment fort, les clébards! Hein. C'est n'importe quoi, les chiens! Oh, il est arrivé dans mon dos, il m'a éclaté! Ouais, on va aller chercher son corps. Putain, pourquoi j'ai mis mon lit en haut, moi? Bah, parce que c'est mieux, quoi, mais... C'est chiant. Je suis dégoûté. J'espère qu'il est pas dessus encore. Hein. Parce que ça me rend fou, ça aussi. Comme tout à l'heure. Hein? C'était quoi? Ah, sportif aussi, ouais, quand vous courez, vous gagnez des points aussi. J'espère que le chien est plus là-bas. Je vois un zombie. Et je préfère mille fois un zombie qu'un chien. Il y a le chien. Je vais péter un plomb, il y a le chien. Ça va être chiant là, c'est vraiment, sous le coup, c'est chiant. Je te vois arriver à gauche, mon ami. Je suis devant ça. Y'a le chien. Cou, connard, cou, 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 cou. On s'en fout. Voilà. C'est juste pour sauvegarder mon sac. Comme ça, j'ai pas de problème. Ça évite d'avoir 63 sacs n'importe où. Au moins, je sauvegarde mon sac. C'est chiant. Je vous jure, c'est chiant. Les chiens, c'est n'importe quoi. Les villes. Mais avant, il n'y en avait pas autant que ça dans les villes.
Mais si j'ai mon flingue, je dérouille le clébard. Allez, c'est bon, on a compris, tu peux... Attends, on va faire un truc. Ah merde, j'ai pas de pierre. Tant pis, ça sert à rien. On y retourne. Oh, il pleut. Mais juste pour m'emmerder le jeu, hein, vraiment. Hein. Putain, j'ai même pas envie d'aller chercher mon corps, mais j'ai pas le choix. C'est quoi ça? Là, vous aimez vraiment rien les gens, c'est un truc de dingue. Allez, j'aimerais bien récupérer au moins mon sac. Ah, oh, vas-y, c'est injouable. Oh, vas-y, c'est chiant là. Il y a 50 zombies, il y a le chien, c'est ça va quoi. Le but c'est que j'y arrive un peu, non? Chasser. Oh bah. Plus en plus. Mais putain, allez le jeu! Vous me pétez les couilles le jeu là, vraiment! Vous avez pas le droit de faire ça là! Ça devient chiant! Ça devient même grave chiant là. Parce que le plaisir il y est même pas là. Et je vais y aller 60 fois, c'est ça qui va me saouler. Tout ça pour un putain de corps de merde. Ah bah c'était juste du bois, je me casse les couilles pour ça. Je suis essayé de me refaire un arc et tuer les zombies de loin. Hein. Mais il me faut des plumes. Des plumes, on va déjà en faire 10 avec ça. Je me donne pas chaud. Hein.
au moins j'ai refait un peu de flèches. Pas trop choui. Ah non, mais le jeu rend fou sur ça. Ah, les chiens, c'est n'importe quoi. Et là, c'est comme qu'il y en a deux maintenant. C'est même plus un, c'est deux. Putain, j'adore les chiens, mais dans les jeux, putain, ils ont fait chiant les clébards. Ça, c'est bien, ça. Quand vous trouvez des trucs comme ça, vous prenez direct ça. On voit déjà. J'ai cru entendre quelque chose. On va mettre juste ça pour l'instant. Ça, c'est pas gagné, je vais le mettre là. Là, je prends des cailloux, c'est pour faire des flèches. Voilà. Non, on va le récupérer son corps. Hein. Ça, c'est pas perdu, mais. On va y arriver, comme on dit. Ça prendra son temps, mais on y arrivera. Mais je ne laisserai pas mon flingue, mes affaires dedans. J'ai déjà un flingue, je suis déjà bien, quoi. Et avec un flingue, on arrive à perdre. Ouais, il m'a fait peur, lui. Il m'a vraiment fait peur, lui. C'est que j'arrive à les éclater en pas longtemps les zombies là. Déjà c'est enfin. Oh putain, elle m'a fait peur elle. Je l'avais pas vu elle. Putain, elle m'a paralysé. Reste par terre. Je m'arrangerai. Pourquoi j'ai rien en flèche? Un petit peu de flèche. Non mais regardez, il y a 60 zombies, c'est n'importe quoi. Oh, c'est un corps que je viens chercher. Hein. Déjà, je vois plus les chiens. Je pense qu'à un moment, ils les enlèvent eux-mêmes, les chiens. Tiens, mon cul qui a plus les chiens. Mon cul qui a plus... Il m'a tué, il m'a tué, il m'a tué, c'est super. C'est injouable, avec les chiens c'est injouable. Et j'ai essayé d'assommer, hein. Mais c'est injouable, ça commence à me péter les... Voilà, vous comprenez le mot. Ça s'entraîne vraiment me saouler là. Je perds du temps de fou, je perds... Putain, ça me garde. Tout ça pour un... des chiens de merde. Il les laisse tout le temps vers les corps là, c'est casse-pied ça. Tout à l'heure j'ai pu récupérer tranquille, mais là. Putain, je vais pas passer 3 plombes à essayer de niquer un chien, quoi. Quoi avec ça, hein. C'est bien, toute ma base va être là-bas après. J'essaie de faire attention, j'essaie de pas... Le chien, il est tout le temps là quand il faut pas, ça commence à devenir chiant, quoi. Non, il faudrait vraiment qu'il bouge. Moi, je peux pas le dérouiller, le chien. Mais c'est bien, ça marche comment? J'ai perdu mon deuxième corps? C'est une bonne question, ça. Je m'en rappelle plus.
Tout à l'heure, j'ai pu en tuer deux. Et là. Là, j'y arrive pas, là, c'est la vérité. J'ai pu récupérer mon corps. Pas se plaindre. On va vite essayer de tout mettre correctement. Là, voilà, c'est déjà pas mal. Il est où encore? J'ai un sac, pas. Voilà, pars-toi de là, toi. Ça, c'est fait. Ah ouais, à un moment ou l'autre. Je vais mourir d'une autre connerie. Bah oui, je vais mourir d'une autre connerie parce que. Oh là là, il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va, c'est phénoménal. J'avais juste à faire demi-tour et me barrer chez WOM pour poser mes affaires, juste ça. Mais non. Pourquoi j'ai pas pris mon arc pour tuer l'autre par terre aussi? Mais mon Minta, paralysé, je peux plus bouger. Bah déjà, il n'y a plus de chien. Donc déjà, je suis moins emmerdé. Donc là, je peux m'amuser à faire gauche-droite, je veux dire, pour esquiver le zombie. Et prendre mes affaires, déjà. Bah normalement. Merde, excusez-moi. Mais j'ai perdu un sac. Celui-là avec les autres affaires là. Avec le casque. Il était là. Je vais connaître le chemin par cœur, hein. C'est le gros là qui m'a mis le mental et m'a bloqué et c'était fini. Hein. C'est à cause de lui. Hein. Le seul truc qui est chiant, c'est quand tu récupères un truc, c'est que ça met pas, ça se remet pas à sa place. Il y a juste ça. Parce qu'en fait, on perd du temps, on pourrait se remettre en route et retaper tout de suite. Et non, là, je vais récupérer. Bah, je vais être niqué parce qu'il faudrait que je me barre pour pouvoir me mettre à un endroit, pour pouvoir remettre mes affaires, pour pouvoir me battre. Où mon sac? Hop, on va s'écarter vite fait.
Mais où l'autre sac? J'avais bien un autre sac. Attendez. Il y avait un autre sac, je suis pas fou. Là. C'est bon. Merde, j'ai dit là, mais je le vois plus. Il était où? T'es où là déjà? Là. Putain, il y a du zombie. On va attendre qu'ils viennent tous vers moi. Je le vois devant moi là. Putain, on va enfin arriver à s'en sortir. Je dis bien enfin. Hop, hop, ça c'est fait. On va mettre de la bouffe là. La boisson là. Pourquoi j'ai deux arcs? Un 60 et un. C'est quoi qui me manque? Voilà. Non, mais là, c'est bien, là. Putain, je tire à côté comme une... C'est dur des fois l'arc. Hein. Surtout qu'ils ont. Au moins c'est fait. Faut que je tourne de la graisse. Bah oui, toujours plus. C'est quoi je dois prendre? Je sais plus c'est quoi. Je n'ai pas le médicament, je crois pas. Non, c'est pas celui-là. C'est quoi ça? Je l'ai vu à la dernière seconde, lui. Je m'en doutais qu'il y avait un bruit qui était bizarre.
un bruit de pas en trop, mais je pensais pas qu'elle allait arriver sur ma gauche. Il y a que la tête qui dépasse et j'arrive même pas à lui mettre une tête. Merde, bon alors là j'ai tiré comme une treu. J'adore un petit peu toi. Ils sont solides, hein. J'avais oublié. Quoi là-dedans? Oh, bah beaucoup de choses d'ivoire. C'est bien là. Ça, je vais le jeter pour l'instant. Je vais pouvoir en refaire plus. Côté, c'est de la terre. Hein. Bon. Ça, c'est pareil, ça dégage. Ça, c'est pareil, ça dégage. Voilà, c'est bien là. Putain, j'ai pu tout récupérer là, c'est cool. Parce que c'était très mal parti, on va dire. Je suis radioactif, j'ai même pas le cacheton. Ah, je peux prendre du miel. Je savais pas ça. Il a un style. Ah, il est stylé, mon bonhomme. C'est vrai que dans ce jeu, faut pas penser à la dégaine. Vraiment pas. Casse pas les télés, je les garde pour les démonter plus tard. C'était pas un moteur de... C'est quoi que j'ai récupéré là? Ah non, pièce électronique, ok. J'ai plus de place moi, pourquoi? C'est quoi que je peux jeter? Déjà ça. Ça c'est pareil mec, j'ai pas besoin du sable, le sable j'en ai partout. J'étais m'en avoir après que j'aurai plus qu'en foutre donc. Voilà, la seule chose qu'il faut acheter. La seule chose que j'ai besoin. Je vais la mettre là. Avec des flèches. Toi, j'ai plus besoin, je peux te recycler. Tac. La graisse, je te garde. On va garder comme ça pour l'instant. Un autre pétard, tu vois. Jamais assez de flingues dans le jeu.
le prendre. Dans le prochain, ils vont mettre même les zombies, je crois qu'ils vont être capables d'ouvrir les portes. Ça va être classe. C'est quoi que j'ai que je peux jeter? Un coffre? On va le laisser là. Oh! Attends, on va mettre 2 secondes. Ça. Ah, j'ai trop chaud, faut que je retourne à ma base. Parce que je vais pas acheter blouson. Attends, on va faire un truc. Putain, il y en a des affaires. Encore un coffre? Ça monte pas vite les outils hein. Faudrait que je m'amuse quand c'est la nuit de me mettre dans ma base et faire des outils, les jeter, les détruire, les refaire, les détruire, les faire, les redétruire, les faire, les redétruire. Faire ça tout le temps. Comme ça au moins. Là, ça va être un gros coffre derrière. C'est même sûr. Bah oui, je le vois en plus. Je viendrai le casser plus tard. Que j'aurai ma grosse masse. Voilà. Allez. Allez, on va directionner mes zones. Eh ben j'en ai chié quand même dans le jeu, hein. Je le dis. Hein. Il a pas été cool le jeu avec moi. Ça m'en fait des plumes. J'ai cru voir un truc. Ouais, je vais arrêter de ramasser des cailloux là. Putain, y'a un chemin qui m'emmène là. Attends, mais le colis il est là. Ouais, mais ça me fait chier.
Ah, je suis trop lourd. C'est insultant, ça. C'est quoi ça? Crosse de lance-roquette. Oh. Vas-y, je vais jeter ça là. Je sais même pas pourquoi j'ai ça. Hop. J'essaie, je vais tout prendre parce que je sais même plus. Ah, c'était celui-là. Ok, bah c'est bon, j'ai compris lequel c'était. Vas-y, toi, t'en as vraiment pas assez. Je vais te jeter. Je vais récupérer ça. Et toi, bah, je vais te jeter aussi pour une caisse. Je vais pas pleurer, quoi. Voilà. Allez, on rentre là. On cherche plus à comprendre. On traîne plus. J'aime pas acheter des trucs parce que c'est tellement galère des fois que ça m'emmerde à tout jeter. J'aime pas. J'aime bien tout garder, moi. Putain, c'est déjà 8 heures. Alors, la maison, ranger et aller manger. Oh putain, mon téléphone, il m'a pas laissé le choix. Il me prévient même plus mon deuxième téléphone de ce boulot. Il me prévient même plus que quoi, j'ai plus de batterie, quoi. Il me prévient à la dernière seconde, quoi. Il me dit, vous avez plus de batterie, bah, il coupe. Au moins comme ça. Ouais. Bon, vaut mieux ça que des téléphones qui sonnent pendant 10 minutes toutes les 4 secondes pour dire vous avez plus de batterie, vous avez plus de batterie. Et qui bousillent encore plus de batterie en faisant ça, quoi. Je peux même pas boire, faudrait que je boive. Je bois un coup, mais je peux pas parce qu'en fait, le verre il se mettrait où? Faudrait que je fasse tous mes changes, je casse tout pour tout refaire. C'est comme si tout séché là. Oui, je sais, mon bonhomme catastrophe, t'inquiète. On arrive à la maison, regarde. On arrive à une vitesse phénoménale, mais on y arrive. Voilà. J'en avais des affaires d'armes que j'ai pas le ranger.
Voilà, c'est déjà mieux d'avoir tout au même endroit. Voilà. Bon, moi j'ai des œufs à bouffer. Voilà. Tac, putain, ça en fait du boulot. Est-ce que j'ai des nouveaux points à mettre? Bon. 10 points. Je sais même plus où les mettre là, c'est vraiment. Je vais mettre un peu dans mon arc. Ça peut être pas mal, on va mettre ça. C'est quoi déjà ça? Ah, c'est pas mal non plus, si ça. On va mettre là. Voilà. Putain, il monte un point par un point, ah, oui, j'ai pour fini quoi. Il y a 2 secondes, ça montait un peu plus que ça, quoi. Bon, ben j'en arrêtais là, j'allais manger. Je vous dis merci à tous ceux qui sont passés sur le live. Et je vous dis ben, plus tard pour le prochain live. Allez, bonne soirée à tous. Ciao.